All systems are normalized. Players, welcome to DevOps Arena. Bonjour tout le monde, c'est ma première talk de conférence en français. Je vais faire de mon mieux. Bienvenue sur cette talk de Java rencontre l'IA, intégrer des Large Language Models avec LangChain4j dans vos applications. Il y a déjà eu pas mal de talks sur LangChain4j. C'est pour ça que je vous demande d'abord qui a déjà utilisé LangChain4j. Ok, ça fait une quinzaine de personnes. Qui a déjà assisté à un talk sur LangChain4j? Ouais, ok, c'est un tiers. Donc, j'ai essayé de faire aussi le Hello World, donc désolé pour ceux qui l'ont déjà vu, et aussi d'aller un peu plus en détail avec notre roadmap et les features les plus intéressants après pour que tout le monde ait quelque chose d'intéressant dans ce talk. Alors, je vous présente l'équipe. Il y a Dimitro Lubarski, c'est le créateur du framework et il met un temps fou, donc merci beaucoup Dimitro. Il n'aime pas être sur scène, mais c'est beaucoup son travail. Et en plus, il est aidé de plus de 80 contributeurs maintenant qui nous ont aidés à faire de ce framework quelque chose de vraiment polyvalent avec plein d'intégrations. Alors merci aussi à tous les contributeurs. LangChain4j, c'est arrivé comme ça. Vous connaissez probablement LangChain. C'est un framework en Python pour intégrer des large language models et faire plein de choses intéressantes avec, avec des document loaders, des agents et tout. On a trouvé ça super, mais on a dit dommage, c'est pas en Java. Donc Dimitro, il a dit, il s'y lance et il fait ça pour Java. L'idée, c'est en AI et en IA et machine learning, c'est souvent faire des modèles plus grands, mieux training datasets, tout ça. Mais ce qu'on fait en LangChain4j, c'est plutôt de construire au-dessus. Donc nous, on prend les modèles plutôt comme ils sont et on l'utilise comme un API. Et ce qui est super intéressant en LangChain4j, c'est qu'on peut intégrer facilement avec plein de différents modèles, avec des model providers, avec des modèles locaux, et qu'on donne un streamlined API, API à vous tous, pour le rendre très facile de construire des applications et d'échanger les différents fragments dedans. Juste pour être sur la même page sur les terminologies, le language model en soi, c'est un modèle, tu mets du texte en input et ça te sort du texte. Le language model même, il va juste compléter ta phrase. Donc, si tu dis « j'aime », il va probablement dire « j'aime du chocolat ». Il va te rendre du chocolat. Après, on a entraîné les modèles pour pouvoir suivre des instructions ou pour faire une conversation avec vous. Donc, ça, c'est les chat modèles. Là, tu dis « j'aime » et il va te dire « Ah, qu'est-ce que c'est que tu aimes? Est-ce que je peux vous assister avec quelque chose ?» Donc, vous le connaissez de ChatGPT. Et puis, les embedding models, c'est un peu différent. On met du texte dedans, mais ça va te sortir un vecteur numérique qui va encoder le sens, donc « semantic meaning ». C'est très intéressant parce qu'après, si on a d'autres fragments, on peut chercher des segments de texte qui ont un sens similaire, voire similarity search. Donc, c'est la distance euclidienne entre ces vecteurs. Et on va sauvegarder ça dans un embedding store qui est conçu spécialement pour trouver très facilement et très optimisé les distances optimales entre les vecteurs. Ok, alors il y a plein de modèles, il y a plein d'embedding stores, il y a plein de types de documents et de liens qu'on peut intégrer dans son application. Et avec LangChain4j, ça devient du gâteau. Bon,
c'est correct. J'ai demandé à ChatGPT parce qu'en anglais c'est un piece of cake, ça aurait marché en français. J'espère que ça existe, ce qui m'a sorti. Super. Ok, alors les composants de LangChain4j, c'est en gros ça. Il y a le language model qui est un peu le centre de tout, mais on supporte aussi des image models, donc autant qu'en image input, où il va interpréter l'image, ou image output, où on demande fais-moi une image sur ça, il va te sortir ça. Il y a prompt templates qui, on va voir brièvement, c'est pour plus facilement avoir des textes complexes, parce que très souvent on dit au modèle tu es ça, tu réponds comme ça, ta 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 ta. C'est toujours la même chose. Les prompt templates, ça sert à faciliter ça. Les tools, c'est les modèles qui peuvent utiliser des fonctions, c'est super cool, on va voir ça après. Une mémoire, évidemment, pour faire un chat. Et puis output parsers, parce que c'est super cool, LangChain4j s'occupe de transformer beaucoup d'output JSON string text en objet Java. Puis de l'autre côté, vous voyez RAG, c'est pour intégrer ses propres documents, pour que le modèle connaisse vos documents à vous. On verra ça en détail plus tard. Et puis, au-dessus, il y a une layer d'intégration où on a chaîne, où on peut enchaîner tous ces composants de base ou des AI services qui sont encore plus intéressants. On va voir ça. Comme vous voyez là en haut, on a des intégrations avec Google Gemini, OpenAI, Azure, AWS, Olama, il y a plein de choses, et comme ça change tout le temps, vous pouvez juste voir sur notre repo, c'est donc LangChain4j/LangChain4j. Vous pouvez mettre une étoile si vous aimez. Et là, dans le README, en fait, on a, si on scrolle un peu, il y a tous les exemples qui sont liés, donc tous les exemples que je vais montrer, vous pouvez retrouver là. Il y a la documentation, on a une documentation, on est très fiers de ça. Il y a les tutoriels, j'en vais en montrer pas mal aujourd'hui. Useful materials, il y a encore quelques liens en bas. Si vous voulez en savoir plus, comment faire des prompts corrects, comment choisir le bon modèle, il y a des leaderboards qui comparent les différents modèles pour les différentes tâches, ça se trouve tout cela. Et puis, on a ce tableau d'intégration ici qui montre ce qu'on a comme provider et ce qu'on soutient. Donc, completion, c'est tu reçois la réponse en un string, donc ils supportent tous. Après, streaming, ça devient token par token. Embedding stores, image, voilà. Donc ça dépend un peu des modèles, ce qu'on a dans LangChain4j, mais c'est pas mal. Et si vous voulez ajouter des intégrations, allez-y. Il y en a quelques-uns qui sont spécifiquement intéressants là-dedans. Il y a Olama, qui te permet de tourner ton modèle localement. Si vous avez un peu de GPU sur votre propre ordinateur, Olama, il va servir en layer entre les deux. Et c'est super facile avec LangChain4j alors de communiquer avec ton modèle local. Et il y a d'autres choses comme Hugging Face. Là, on trouve beaucoup, beaucoup de modèles open source qu'on peut tourner sur Hugging Face. Il y a aussi plein de training datasets, plein d'instructions comment faire du fine-tuning. C'est tout là. Et on a aussi une jolie intégration qui le rend super facile en LangChain4j. OK. Je vais vous montrer déjà une application un peu qui intègre un peu tout, juste pour que vous savez pourquoi. Après, on va faire les Hello World. Ce que je vais vous montrer, c'est un Booking Assistant. Donc, si on a fait une commande pour une voiture et on veut l'annuler, on a fait l'assistant que... je crois que... Il est là, donc c'est fait en Spring Boot. On a une Spring Boot Starter que, d'ailleurs, ça c'est les LangChain4j Examples. C'est lié dans notre repo. Je mets ça un peu plus grand, si j'arrive. Ouais. Et il y a aussi, donc ça c'est le Customer Support Agent Example qui intègre un peu tout. Mais on a aussi un Spring Boot Starter pour les fans Spring Boot où c'est vraiment dans une ligne et quelques configurations qu'on a une application qui tourne. Alors, est-ce que je l'avais lancée?
Ok. Il était déjà lancé. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression. Ah, si, si, si. Super. Alors, il y a tous les logs qui sont maintenant, qui vont apparaître. Évidemment, le user, il va juste voir en chatbot normalement ce que le modèle répond vraiment. Mais je vais demander pour annuler mon booking. How can I cancel my booking? Alors, c'est pas juste un chatbot qui va sur GPT-4. Et il sait plus de choses. Donc, il a accès à des tools pour savoir si ma commande existe, si je peux l'annuler. Il a des tools pour l'annuler. Et après, il connaît aussi nos terms of use. Donc, il va chercher là-dedans. Donc, je lui donne. Je suis Lise. C'est pas juste. Et voilà, le numéro, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7. C'est super cool en user experience. Ah bah, vous rigolez parce qu'il y avait une erreur, mais... mais c'est une erreur qu'on a ajoutée, nous, c'est booking not found exception. Alors, le modèle, il sait qu'il peut aller chercher notre commande avec mon prénom, surnom et ses numéros de booking. Il ne l'a pas trouvé parce que j'ai fait une erreur exprès. Et il peut interpréter cette erreur qu'il reçoit. Donc, ce qu'il dit finalement, c'est « Désolé, je ne pouvais pas trouver ce booking avec l'information que vous avez donnée. Tu peux vérifier le booking number et donner à nouveau. » Bon, ce n'était pas le booking number qui était faux. Oups, mon prénom. Oh là, ouais, là attends, je vais quand même le faire en anglais. my first name is... Klaus. Ouais. C'est, on a un peu un dummy database derrière. Donc. Et là, normalement, il va le trouver. Voilà, donc c'est les logs qui vont trouver mon booking. Et il va dire alors, j'ai trouvé votre commande avec les détails ici, mais on a cette cancellation policy. Et comme votre période de commande, ça commence dans moins de 3 jours, on ne peut pas annuler. Et donc, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il a trouvé notre booking, mais il a aussi trouvé du content de notre Terms of Use. Je crois qu'il a essayé d'annuler d'abord. Il doit avoir eu une autre erreur qu'il ne peut pas. Et puis, il a interprété en prenant ces morceaux de Terms of Use. Donc, ça devient très intéressant, un user experience comme ça. Maintenant, je vais l'arrêter. Et maintenant, on va voir comment faire construire un peu ces applications dès le début. Donc, on va commencer avec un petit Hello World. Désolée pour ceux qui l'ont déjà fait. Okay. Attends. C'est ça. Oh. OK, on va aller dans les tutoriels. C'est très intéressant pour faire à la maison, ce tutoriel. Hello World, je vais faire un peu de live coding parce que c'est simplement tellement facile avec Langchain4j de commencer à parler à, par exemple, OpenAI. Et à chaque fois que je dis ça, il y a des choses qui vont mal, évidemment. Alors, voilà, c'est ça, caps lock. Je veux un chat language model, ça vient avec Langchain4j. Je l'appelle model. Et dans ce cas, je veux un OpenAI chat model. Et je dois... Soit je fais un builder, je peux mettre tous les paramètres, mais je ne vais pas faire maintenant, je vais juste dire le key. Et si vous voulez l'utiliser à la maison, vous pouvez essayer cette key démo. On peut faire quelques requests avec, quelques requêtes avec, c'est encore plus vite. Sinon, on le met son vrai key OpenAI. Puis, on veut une réponse. Et c'est model.generate. J'ai éteint le GitHub Copilot là parce que sinon ce serait trop facile. Hein. Et on va dire dit, on va essayer en français, Devox France. Voilà. Et puis on va mettre ça sur la console. Oups. Enter. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. De, si. Voilà, maintenant on va voir là. OK. Bonjour Devox France, comment allez-vous aujourd'hui?
Donc, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais demandé, mais c'est ça de programmer avec les LLM. Ça sort un peu tout, sauf ce qu'on aimerait que ça sorte. OK, maintenant, on va ajouter une mémoire pour converser avec le modèle. Donc, des modèles, ils n'ont pas d'état. Des modèles sans état, c'est ce que ChatGPT m'a donné comme stateless translation. Je vais aller avec. Donc, ce qu'on doit faire, c'est à nous, en fait, de garder la mémoire. Il y a trois types de messages que, typiquement, on peut envoyer au modèle. System message, c'est celui qui va donner les instructions générales. Par exemple, vous êtes en train de parler à un enfant de 3 ans. Voilà. Comme ça, le modèle, il sait, en général, pendant toute la conversation, il va se comporter du genre. Puis user messages, c'est ce qu'on nous on a envoyé, et puis AI messages, c'est que le modèle a répondu. Et nous, on va garder tout ça, et à chaque fois qu'on appelle le modèle, on donne en fait le tout. Il inclut notre dernier user message, qui est en fait notre nouveau prompt. Et puis le modèle, il va nous répondre à quelque chose qui sait tout ce qui s'est déjà dit avant dans la conversation. Alors, si on va dans les tutoriels, encore une fois, il y a donc des exemples pour mettre les paramètres, pour les images, pour utiliser des prompt templates si vous vous perdez dans tous les strings là. Il y a aussi un exemple streaming, comme ça le modèle il va sortir token par token, c'est à peu près 3 caractères, comme ça vous pouvez lire le temps qu'il écrit, c'est super cool aussi. Il y a la mémoire normale qu'on voit ici. Donc, vous pouvez regarder à la maison parce que j'ai malheureusement pas le temps de faire le tout. Et je vais vous montrer aujourd'hui une façon d'utiliser la mémoire ingénieuse qui s'appelle FewShot. Et là, on va donner au modèle une fausse mémoire, des choses qui n'ont pas vraiment été dites, mais on va faire comme si. Et dans cette mémoire, on va faire une conversation et le modèle répondrait dans notre fausse mémoire comme nous on le veut. Donc, pour exemple, ça serait pour du feedback sur une application, et je voudrais bien que le modèle il me réponde dans ce format-là, où il me donne action, fait quelque chose, et si c'est action ouvrir un ticket, un nouveau ticket parce qu'il y avait un bug, qu'il me donne aussi encore le sujet du ticket. Et puis, une vraie reply qui est gentiment « merci » si c'est du positive feedback ou « désolé » blablabla quand c'est une complainte. Voilà, donc ce que je fais, je fais un chat memory here avec des chat messages. Et puis, je mets quelques exemples dedans. « I love the new update » Donc, c'est « action, forward, input to positive feedback storage, reply, thank you very much ». Donc, je mets cette « user message » et cet AI message dans ma mémoire. Et je fais la même chose pour un truc négatif. Je fais encore une positive, une négative. C'est tout. Et puis, je mets ma vraie question ici. How can your app be so slow? Do something about it. C'est donc le dernier user message qui est ajouté aux mémoires. Et puis, on va envoyer le tout. Et on va voir ce qu'il répond. Alors ici, ce n'est pas une réponse comme avant. C'est une streaming réponse. C'est plus intéressant à regarder parce que ça finit avec des lignes comme ça. Donc finalement, on a demandé « How can the app be so slow ?» Et on va voir. Donc, je n'ai même pas mis d'instructions, j'ai juste donné quelques exemples, comme si c'était ce qui s'était déjà dit avant. Alors, c'était très vite, et je n'arrive pas à zoomer. Ouais, si. Action, open new ticket, app performance issue. Donc, il a très bien suivi. Et puis, le reply, c'est quelque chose de poli pour ce... S'excuser, voilà. donc, c'est une autre façon d'abuser la mémoire un peu. Après, on a les AI services qui peuvent retourner des plain old Java objects. C'est super cool, mais ils font beaucoup plus. Donc, c'est vraiment le cheval de tir de Langchain4j. Voyons voir un peu ce qu'on peut faire avec. AI services, voilà. Donc, ce qui est super intéressant, les AI services, il ne faut plus vraiment programmer, il faut juste déclarer ce qu'on veut, ce qui se passe. Donc, dans le sens le plus facile, on déclare l'interface assistant,
Et ça, elle a une méthode chat qui prend un string et qui retourne un string. Et puis pour utiliser, en fait, ça va être notre AI service. Pour l'utiliser, on va dire aiservices.createAssistant.class et on donne le modèle. Tout c'est OpenAI pour ces démos, mais on peut prendre tous les autres aussi, Mistral. Voilà, et ça nous crée notre une implémentation d'assistant qu'on peut utiliser après. Donc on va dire assistant.chat et je lui demande de traduire un truc d'impôt que j'ai toujours besoin d'aide pour ça. Et voilà, donc on n'a pas vraiment programmé quelque chose et voilà, il nous a traduit ça. Ok, ça c'est l'exemple de base, ça c'est comment on les utilise, mais après ça devient super cool. On va faire un exemple plus élaboré. Donc on a une interface text-util, il y a trois méthodes, translate, summarize and extract date time from. Translate, ce qu'on a ici, c'est qu'on peut mettre un system message, donc ce qui est l'instruction générale, tu as un traducteur professionnel dans une certaine langage, cette langage on l'a déclaré comme variable ici dans notre translate method. Donc il y aura un langage, ça va être inséré dans ce user message, system message. Et puis le user message, c'est translate the following text. Et on utilise ce texte qui aussi a été déclaré comme variable. Et ça devrait le faire. C'est tout ce qu'on doit faire pour faire marcher cette méthode. Après, il y a un autre exemple qui va summarize tous les messages dans n points. Provide only bullet points. C'est là parce qu'il faut que nous, après, on arrive à le transformer en une vraie liste. Parce que voilà, cette méthode, elle va retourner une liste. Et c'est super cool parce qu'on peut utiliser les LLM et on reçoit un vrai objet Java et on continue son code après. Donc, the user message va être tout le texte et puis c'est n bullet points, c'est défini aussi. Et puis le plus cool, j'adore, parce que pour moi c'est toujours problématique si je reçois des dates, les traduire dans d'autres formats, je déteste. Et voilà, donc ici c'est user message extract date and time from notre texte qu'on va mettre là, et on devrait avoir recevoir un local date time objet. Donc à nouveau, on a ces text util AI service avec ces trois méthodes. On va dire create. Et c'est tout, on l'a. Et puis, on va l'utiliser. On va traduire « Hello, how are you » en italien. On va summarize un petit texte en trois points. Et il a imprimé en console. Et puis, il y a cette petite phrase adorable. « The tranquility pervaded the evening of 1986, just 15 minutes shy of midnight, following the celebrations of Independence Day. » Et on va voir si le modèle arrive à sortir la date et le temps de cette description-là. Voilà, donc il a dit « Ciao, come stai ?» ce qui est correct en italien. Il y a cette liste qu'on a reçue, cette summarization. Et puis, il y a le « Date time object ». Et c'est juste donc 15 minutes shy of midnight, c'est tout correct. Et nous, on n'a plus rien à faire là. C'est magnifique. Voilà. Et après, on peut aussi même retourner des plain old Java objects que nous, on a définis. Donc là, par exemple, on va déclarer une recipe, une recette. Merci. C'est mieux que ChatGPT, là. OK, je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais... OK, c'est mort. Voilà. OK. Et cette recette, elle a quelques champs. Et on peut mettre des descriptions. Ça vient aussi, c'est une annotation LangChain4j. Si ce n'est pas clair du nom du variable, tu peux ajouter encore une description. Donc, on veut un titre de 3 mots maximum. On veut une description en 2 phrases maximum. On veut des étapes pour la recette et une preparation time. Et voilà. Puis, on a notre AI service chef qui va nous retourner notre objet recette qu'on vient de faire. Et ça dit juste simplement « create recipe from » et il va avoir les ingrédients. Et donc, je vais déjà montrer l'exemple. Il dit « concombre, tomate, feta, oignon, olive et citron ».
Et puis, il devrait nous sortir un vrai objet recette. Voilà. Donc, on l'a imprimé ici. Voilà. Un salade grecque, qui l'aurait deviné. Donc, c'est super cool. Après, on peut prendre notre objet et continuer à partir de là. Alors là, je suis vraiment... Voilà, OK. OK, maintenant, il y a encore les tools. C'est donc les fonctions qu'on peut donner à l'LLM et dire, hey, tu peux les appeler si tu veux, ils sont là, au cas où. Et le modèle, il va être normalement suffisamment intelligent pour savoir s'il faut ou non appeler ces fonctions. Donc je vais service with tools, voilà. Ça marche comme ça. Là, on peut déclarer une classe avec plein de tools. C'est donc simplement des méthodes. Ok, il n'a pas envie de me laisser bouger ça aujourd'hui. Ok. Donc il y a un string length calculator qui prend un string qui retourne un integer. Et voilà, il y a une petite description là, si ce n'est pas clair. Donc, @tool, ça vient aussi avec Lang-Chain4j. On a print to console ici pour voir si le modèle l'a en fait appelé. Comme ça, je peux vous montrer. Il y a un autre qui dit add. C'est un peu con, mais bon. Il y a deux numéros. C'est juste pour vous montrer ce qu'on pourrait faire. Et puis, il y a un square root méthode. Et on donne ça. Donc, on a à nouveau un simple assistant avec qui on peut faire un chat. Et quand on le crée, cette fois-ci, on peut ajouter ces tools, le calculator class qu'on avait défini. Et on va lui demander après, what is the square root of the sum of the numbers of the letters and words hello and world? Et puis, on va imprimer la réponse. Et on devrait aussi voir si le modèle il a appelé notre code Java. On devrait voir imprimer là ce qu'il a appelé. Donc, voilà. Donc, il a appelé string length deux fois avec les deux mots, puis il a appelé add et le square root. Donc, je crois qu'il aurait pu peut-être faire tout seul aussi, mais il a quand même préféré d'utiliser les tools qu'on lui a offerts. Donc, ça, c'était un exemple super basique, mais on pouvait accéder au database si on aime les dangers, où on pourrait faire vraiment n'importe quoi et créer des agents comme ça. Et il y a même l'exemple après, si vous voulez regarder, Dynamic Tools. On peut le donner un tool qui dit tu peux faire quoi que tu veux si tu arrives à écrire le JavaScript pour le faire. Puis le modèle, il va t'écrire le JavaScript pour ce qu'il veut avoir comme tool. Et on peut l'appeler avec Rapid API, exécuter ce JavaScript. Et puis le modèle peut utiliser en fait tous les tools qu'il peut créer lui-même. C'est aussi c'est super cool. OK, puis Retrieval Augmented Generation, RAG, vous avez peut-être déjà entendu. Les modèles, ils sont entraînés sur tout ce qui est connu sur Internet en général, et les encyclopédies et tout. Mais peut-être il y a des documents dans votre entreprise qui ne sont pas publics, que le modèle ne connaît pas, mais vous voulez quand même qu'il connaît votre Terms of Use ou quoi que ce soit. Alors, on peut ajouter les documents. Et la façon de faire, c'est un peu... c'est pas mal ingénieux. Donc, normalement, on a une question, ça passe au modèle, il donne une réponse qui, on va dire, qui est non informée de nos documents. Donc, si on veut l'informer, on va ajouter aux questions aussi les parties relevantes de notre documentation ou quoi que ce soit qu'on a mis comme source dedans. Et donc, l'art, c'est de trouver les segments pertinents. Pourquoi on ne jette pas tous les documents entiers dans le modèle? C'est parce que les modèles sont limités. Ils ont un context window de 3000, 40 000 caractères, mais souvent pas assez pour avoir toute la base de données. Et en plus, ça coûte par character ou par token. Donc, si à chaque question, on met le tout dedans, ça va nous coûter beaucoup plus que quand si on trouve les segments qui vraiment sont importants. Donc, pour trouver les segments, il y a plein de techniques. Je vais vous expliquer le naive reg. On va couper notre document. Mais donc, document, ça peut être aussi, par exemple, on a aussi un GitHub loader, URL loader qui va prendre tout sur une page web.
PDF, on a plein d'intégrations, donc ça devient super facile. On va le couper en morceaux d'une façon ou d'autre. On a quelques implémentations par défaut, comme par 300 caractères et avec un certain overlap. Mais il y a plein d'autres méthodes. Donc, ça dépend un peu de vos documents, comment on va les couper. Et puis, c'est parti. On va calculer les vecteurs qui encodent le sens avec ces embedding models dont on avait déjà parlé. Et puis, on va mettre tout ça dans un embedding store. Donc, le vecteur et le segment original. Et puis, donc ça se passe dans une phase différente, en startup, par exemple. Et puis, quand on a vraiment des sessions avec des utilisateurs, ils vont poser les questions. Naïve, RAG, il va simplement calculer le vecteur de notre question. Il va aller chercher dans l'embedding store les segments qui sont en termes de sens, semantically, le plus proche. Et puis, il va mettre ses parties dans la question et le modèle, il aura un peu de contexte. Alors, je peux vous montrer, il y a dans les tutoriels, non, c'est dans les exemples, il y a toute une partie sur la règle parce que c'est quand même important pour les entreprises. Et on a la Easy Reg, Naive Reg, qui vous montre comment c'est fait en LangChain4j. Donc, j'avais encore un meilleur exemple où j'avais Reg, ouais, où j'ai mis en fait toute la documentation LangChain4j en document. Comme ça, je peux demander à mon programme de m'écrire plus de programmes en LangChain4j. Donc, on choisit son embedding model. Et ce qui est cool en LangChain4j, il y en a un qui tourne en CPU, in memory, donc sur ton ordinateur, il ne faut même pas connexion à l'Internet. Il y a aussi, on a un in-memory embedding store, mais on supporte aussi Weaviate, Milvus, PG Vector, plein d'intégrations. Et puis, on a un ingester qui va manger nos documents. J'ai coupé en segments de 300 avec un peu de overlap quand voilà que ça coupe pas dans au milieu d'un mot qu'on a quand même un peu les deux. J'ajoute embedding model embedding store et on y va. Puis je vais ingester tous mes LangChain4j docs dans un folder que j'ai mis dans le resources. Et puis donc ça prend un peu de temps, donc en fait je vais déjà le lancer. Bon, ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça. C'est peut-être, je n'ai pas 20 fichiers. Et ça, voilà. C'est à cette vitesse que ça va. Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant, on a tous ces vecteurs de notre documentation. Et après, quand je veux l'utiliser, je vais avoir un retriever. Et donc, dans le naïf REC, c'est assez simple. On utilise le même embedding store et le même embedding model. C'est important parce qu'ils sortent tous des vecteurs un peu différents. Et on peut choisir les résultats qu'on veut et un minimum score qu'il faut voir avec vos documents à vous, ce qui marche. Alors, on va avoir une mémoire, un modèle. On va avoir un AI service qui, ce coder agent ici, voilà, il va nous aider à écrire du code. Et on ajoute ce content retriever où on avait déjà nos documents. Voilà. Et puis, on le lance. Donc là, je l'ai lancé. Il a ingesté tous les documents. Et puis, je vais lui demander, par exemple, write LangChain4j hello world example using Mistral AI. Et donc, bon, les typos, ça pardonne. Normalement, ça comprend. Il n'aurait pas pu savoir autrement parce que LangChain4j existe depuis à peu près un an et OpenAI ne le connaît pas encore. Donc, il a trouvé ça, les imports, ça pourrait bien être correct. Chat language model with an API key. Et voilà, et notre logique. Et donc, ce qui manque, c'est qu'il ne génère pas de réponse. Now ask, generate a reply with this model
On va voir s'il a compris. Ce n'est pas super clair comme question non plus. Et donc, ce qui se passe derrière, c'est qu'il prend, il prend les morceaux relevant de toute cette documentation pour notre question. Et voilà, il a fait generate reply. Je crois que en fait, ça marche aussi comme ça. Donc, c'est pas mal, voilà. Et donc, moi, j'ai plus rien à faire. C'est super. Quoique, je dois le vérifier. Hein. Voilà, alors, ça, c'était le naive reg. Maintenant, on est assez fiers qu'on a aussi advanced reg, parce que ce naive reg, ça marche pas tout à fait bien dans certaines situations. Ça est devenu tout ça. Au lieu de juste aller chercher dans l'embedding store, on a Query Transformer, et je vous montre déjà ce qu'on a comme default implementations. Tout ça, c'est des interfaces. Si vous avez, si vous voulez le faire d'une façon ou d'autre, vous pouvez faire votre propre implémentation et l'utiliser en Langchain4j. Sinon, on a les default, les implémentations par défaut. Donc, Query Transformer, pour exemple. Si on pose une question, il va calculer le vecteur. Mais peut-être, hein, tu as demandé d'abord, c'est qui John Doe? Et il t'a dit. Et après, tu demandes, il est né quand? Et si tu mets juste, il est né quand? Tu ne vas pas trouver forcément la date de naissance de John Doe. Donc, c'est pour ça qu'on a des Query Transformers. Par exemple, Compressing Query Transformer, il va couper tout le reste de la conversation et il va vraiment rendre ta query not, au lieu de il est né quand, il va dire date de naissance de John Doe. Parce qu'il est assez. Il mettra tout le contexte dans un query et ça t'aidera déjà beaucoup. Expanding Query Transformer, il va faire plusieurs questions pour que tu t'assures de trouver tous les morceaux que tu veux. Query Router, on ne va pas forcément aller toujours dans un embedding store. Peut-être que notre demande il marchera mieux avec une query normale sur notre database normale ou qu'il faudrait regarder sur le web pour aller le trouver. Donc, c'est là où le Query Router il pourra décider. Soit il y a des règles qu'on implémente, soit il y a un LLM qui décide où qu'on envoie en fait cette question ou où on envoie certaines parties de la question. Les Content Retriever, donc on a vu cette Embedding Store Content Retriever. C'est celui que j'ai montré. On va retrouver les vecteurs similaires et on va prendre ces fragments. On a aussi déjà un Neo4j Content Retriever. Et ce qui arrive, c'est un Web Search Engine Content Retriever où tu vas regarder sur le web, simplement, et SQL Content Retriever pour, dans une base de données normale. Donc, les LLM sont super bien à écrire du SQL. Si tu donnes le schéma, c'est vraiment super pratique. Ça marche très souvent. Et puis, les Content Aggregator, par défaut, c'est tu mets tous les fragments que tu as trouvés, et tu envoies tout ça à l'LLM. Mais on a aussi un re-ranking content aggregator, parce que souvent, il y a pas tous les morceaux qu'on trouve sont relevants, et puis ça confond un peu le modèle qui va utiliser un peu tout, même si ce n'était pas relevant. C'est pour ça, content re-ranker, il va regarder encore qu'est-ce qui est en fait utile et qu'est-ce qui non, et puis il enlève tout ce qui n'est pas utile. Et tout ça, ça rend le RAG déjà beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je voulais vous montrer un petit démo. J'ai fait, pour montrer un peu plus les capacités, j'ai fait un feedback analyzer. J'espère qu'il tourne toujours. Ouais. C'est en Quarkus cette fois-ci. On a aussi une intégration avec Quarkus et c'est super cool parce qu'ils ont ce dev mode où on peut faire les changements. Il y a hot loading et tout. C'est super cool. Donc, je me sens aujourd'hui comme j'ai 25 ans, et je viens de Belgique. Donc, c'est un peu de champ bidon au cas où ça t'intéresserait. Et donc, cette application, elle va collectionner du feedback. Et après, on peut regarder ce qu'il y a tout dans notre feedback. Et je vais dire, je vais écrire quelque chose de bizarre qu'on le retrouve après. En anglais. The food tasted like my granny's used underwear. Ok, j'espère que ma grand-mère, elle ne regarde pas ça. Grand-mère, j'ai jamais goûté à. Moi, j'ai déjà mis tant de choses dedans que c'est tout sauvegardé dans un database derrière. Et après, si on va chercher, il faut que je retrouve.
Alors ça prend un peu de temps, mais donc ce que ça fait, normalement, ça coupe mon feedback en morceaux qui font du sens ensemble, parce que je pourrais, ici, dans cette application, je pourrais aussi écrire dans le même cadre, et c'était trop froid, et c'était trop lent, c'était trop vite. Et il va normalement nous découper ça en morceaux qui font du sens ensemble et faire une petite analyse, si il a envie, aujourd'hui. On dirait qu'il l'a reçu, tout de même. Ah, ok. Bah, écoute, égal. non, pas égal. Attends, je vais retenter. Je me sens toujours comme ça. Je viens toujours de Belgique. Et the foot, no. Like granny's underwear. Et tant qu'on attend, il y a une deuxième page sur cette application. Donc, ça store, ça sauvegarde tout dans un SQLite database et aussi dans un embedding store, in-memory embedding store. Il ne veut vraiment pas aujourd'hui. Ok, écoute. C'est dommage. Mais donc, il te sort un peu l'analyse à quel point c'est urgent, combien de gens. Auraient le même problème, et il met des tags sur ce serait catering dans ce cas probablement. Et une fois que c'est sauvegardé là, donc on peut aller regarder l'analyse. Donc ça c'est pour les dashboards, c'est juste des SQL normal. Mais après on a aussi un chatbot. Ce que j'ai implémenté là, c'est metadata filtering. C'est une autre technique de reg avancée. Juste. Non, il ne veut vraiment pas. OK. Donc, je vous montre vite fait ce que j'ai fait là. J'ai mis dans le metadata, c'est un peu un type map avec des properties qu'on peut ajouter à l'embedding store où sont les vecteurs. Et j'ai dit simplement, il y a cette table definition de ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai gender, birth year, nationality. Et comme ça, le modèle, il sait. Et il peut lui-même construire un filter. C'est le LLM lui-même qui va construire le filter après, ou vous pouvez faire votre propre implémentation. Et maintenant, le Content Retriever, il aura ce filter. Et donc, le modèle devrait savoir lui-même quand il faut faire un query sur le database en plus. Donc, je vais lui demander... What did the women find about the food? Et donc, il ne va pas juste chercher ce qui a été dit sur la nourriture, parce que tout ce qu'il a dans l'embedding store, c'est ce qui a été dit. Ce n'est pas dans le texte que c'était une femme ou quoi que ce soit. Et... Bon. S'il te plaît. Pas aujourd'hui. Bon, ah oui, c'est Enter qui ne marche pas, c'est ça. ouais, voilà, c'est ça. Donc, il a trouvé les morceaux, que la nourriture était horrible et goûtait vraiment mauvais. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait une femme, j'ai mis des trucs négatifs. Donc, et ce n'est pas dans le texte qu'il a pu trouver. Donc, il a vraiment construit un filter sur mon embedding store qui fait le filter juste pour les femmes. Et... Je demande what did the men find about the food. Il devrait nous trouver les autres qui étaient très positives. Yeah, voilà. Les hommes, ils ont dit que c'était délicieux et que ça avait le goût de divin. Merci. Voilà, donc ça c'est un peu de advanced reg. Quelques conseils pour la reg. Pour le prototypage, il y a ce in-memory embedding store and embedding models. Comme ça, vous n'avez pas à faire le setup complet. Il faut vraiment optimiser ces paramètres pour ces données spécifiques. Il sert de nettoyer les documents. Ça dépend aussi de vos documents, évidemment. Et puis, advanced reg, le
qualité du résultat, c'est beaucoup mieux, mais ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a plus d'appels aux LLM. Après, je crois que dans un an d'ici, tous les LLM, ils seront de 2 à 10 fois plus vite qu'ils sont maintenant parce que ce champ avance énormément. Donc, je crois que les délais, ça va descendre énormément en tout cas. Voilà. Encore les liens utiles, donc notre repository, nos exemples officiels, dont vous trouverez là la plus grande partie des exemples que j'ai montrés. Et puis Awesome Lang-Chain4J, c'est nos exemples de communauté où vous pouvez ajouter vos propres exemples un peu plus élaborés pour que les gens puissent être inspirés de tout ce qu'on peut faire avec et reprendre les composants de vos applications. Voilà, donc j'espère aussi que s'il manque un feature, que vous faites un pull request. Merci beaucoup. Et puis, on peut se revoir aujourd'hui, ce soir, à 5h. Il y a encore un Meet with an Open Source Project où il y a un peu un dialogue. Ce sera aussi avec 3 grands contributeurs, Antonia Goncalves, Antonio, désolé, Julien Dubois et Cédric Leunven. Ils seront là aussi. Donc, on veut vraiment prendre vos feedbacks. Demain, il y a un coding lab le matin de 2h. Et sinon, le 16 mai à Berne, il y aura un full day workshop où aussi il y aura Dimitri Liobarski qui a vraiment créé le framework. Merci beaucoup de votre attention.